Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Discord pour une petite vidéo d'à peu près moins de 5 minutes, juste pour vous présenter la nouvelle update qu'on a fait sur le serveur. Bon, alors vite fait, un petit récap pour ceux que ils étaient pas là. Il y a même pas quelques mois, j'ai ouvert un petit serveur Discord où ça faisait 2 ans qu'il était en retard parce qu'on a eu plein de problèmes et tout. Bon, déjà ça fait un petit peu un flop. Donc est-ce que ça manque de communication de ma part? Je sais pas, en tout cas j'ai fait une vidéo de présentation à durer 1 heure, mais au moins tout était détaillé. Puis, de toute façon il y avait les time codes en description et tout, donc il n'y a pas vraiment de raison, l'excuse de c'est trop long, ça marche pas. Bref, c'est pas grave. Du coup voilà, je fais une petite mise à jour sur le serveur, donc du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Du coup, bon, je le répète pour ceux qui sont pas au courant, mais en fait du coup ce petit serveur est fait pour la communauté de la chaîne, logique, et aussi pour les mecs un peu random, car en fait on a fait un système où en fait on vous donne gratuitement des ressources pour par exemple faire des montages ou d'autres trucs comme des PNG, des green screen ou même des images, un petit peu de tout. Ce qui fait que si vous devez faire une miniature par exemple ou un montage d'une vidéo, vous pouvez venir sur le serveur prendre les ressources que vous avez besoin. Et justement en lien avec ça, on a fait la mise à jour 1.1 du cerveau, du serveur. Ouais, là on était en 1.0. Du coup c'est la pack update. Donc en fait on a tout simplement créé un système de pack qui en fait rend le serveur un petit peu plus utile qu'avant. C'est-à-dire qu'avant en fait on avait simplement les salons ressources. Donc il y avait par exemple le salon avec les fonds, où on avait des fonds classiques avec des images et des fonds animés. Les effets, bon, il y a plein de catégories. PNG, pareil, on a plein de catégories, Fortnite, Brawl Stars, Minecraft, Among Us et tout. On a fait pareil avec les fonds verts et tout. Et du coup, on a créé le système de pack qui est en fait des packs de trucs comme par exemple des PNG, des green screen ou quoi. Et ensuite, on les met ici. Donc en fait, vous avez simplement un pack avec un fichier texte, donc un TXT qui explique en fait, c'est la liste de ce qu'il y a dans le dossier, quoi. Voilà, et donc du coup, tout est bien trié, bien nommé et tout. On a fait des noms en anglais parce que c'est plus simple à comprendre. Voilà. Donc bon, et vous avez les détails dans l'annonce puisque je l'ai publié ce matin. Du coup voilà, donc du coup la mise à jour principale rapporte ça, quoi. C'est vraiment ce système de pack qui est un petit peu plus pratique en vrai, parce que avant c'était pas forcément pratique si vous voulez chercher un truc. Maintenant grâce à ça déjà vous avez des packs. Bon, pour l'instant il y en a que 2 parce que j'ai eu le temps d'en faire que 2, mais à l'avenir j'en ferai d'autres. Et du coup voilà, je trouve un système assez bien foutu. Comme ça au moins vous avez des petits packs d'objets. Et ça peut être pratique. À savoir que certains sont disponibles à l'unité déjà dans les salons ressources et que d'autres sont exclusifs et se trouvent que dans les packs. C'est une petite update en vrai, mais c'est la première du serveur. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire une petite vidéo dessus, vu que la vidéo de base, elle a fait un petit peu un flop et qu'on a, on a personne dans le serveur, je veux dire. Il n'y a pas grand monde. Donc du coup, au moins comme ça, ça fait une pub en plus. Je me suis dit, voilà, on fait une petite vidéo, tant qu'à faire, de 3 minutes, ça coûte rien. Donc du coup voilà, j'espère vous attendre, que vous allez venir nombreux. Alors ceux qui vont dire que le serveur est un peu inactif ou alors qu'il n'y a personne, c'est normal, c'est qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps et qu'il n'y a quasi personne qui rejoint. Parce que malgré la vidéo de présentation que j'ai faite et le digiboard ou dashboard, je sais plus comment on dit, tu sais le bot là, attends je vais te montrer pour ceux qui connaissent pas, attends. Command bot, oui, lui là, le mec qui sert à faire des bumps. Je l'ai mis aussi le site sur, j'ai mis le serveur sur son site. Mais malgré ça aussi, ça a pas ramené beaucoup de gens. Mais quand même, ça va. Je veux dire, on commence à avoir une mini communauté. Bon après, j'avoue que si t'enlèves les bots, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Si t'enlèves les bots, j'avoue que bon, y a pas grand monde. On est que 24 quoi. Mais quand même, déjà, il y a un bon début. Bref, du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, c'était juste une petite vidéo de présentation de la mise à jour. Et bon, voilà, à savoir qu'on fera des petites matchs comme ça de temps en temps. Donc, est-ce que j'en parlerai à chaque fois en vidéo? Je sais pas, mais je me suis dit que c'était une occasion de faire une pub en plus, donc pourquoi pas. Mais au moins, voilà, première mise à jour du serveur, je me suis dit, tant qu'à faire, on peut faire une petite pub dessus, ça ne nous coûtait rien. Une toute petite vidéo de 5 minutes, voilà. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, venez nombreux. Bref, j'espère que ça vous aura plu et salut à tous.